Bah, par contre, là, on est 6 contre 7. Pas grave. Il suffit d'être prudent Quoi, y a et quelqu'un posé. monte en face? Là, je dirais qu'on a tout intérêt à protéger notre cap. Mais on peut de façon filou. On pourrait en filoutant envoyer le Dousté, par exemple, parce qu'il est rapide. On pourrait l'envoyer le long de la colonne BC, longée, pour à la limite nous squatter un peu et essayer de contourner pour les taper par derrière, Et ça... mais c'est pas une bonne idée parce que c'est que des lourds en fait. Donc non, Ouais, non, 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 non. Ce qu'on va oui, ça faire, va bien. ce qu'on va faire les mecs, on va se mettre là, on se place près de notre cap. Restez autour de la cape, les gars, vous vous mettez bien à couvert et on va rester safe. C'est des lourds, ils vont peut-être pas venir tout de suite. Nous, on a la mobilité pour nous. Ils Mais ont. j'aurais un spot sur la colline. Ouais, Et à la limite, pourquoi pas, ouais. juste en face. Ouais, vas-y, mais faites gaffe, hein. Les gars, il faut couvrir Inu s'il va en face, hein. Juste en face. Ouvrez Ouais, l'œil c'est le même groupe que la dernière fois. à peu près toutes les 4-5 secondes, vous regardez votre minimap, messieurs, au cas où, ça évite les surprises. Ils vont soit passer, ouais, ils peuvent passer sur. Bon, il faut faire gaffe. On va être. J'aimerais bien scouter mon escouade. Ouais, vas-y, mais sois prudent. Bah, N'oublie pas de mise en revenir garde avec lui, surtout. hein. Non, 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 non. Non, Plus ça, c'est bon. il faut rester près de notre cap, faut pas trop s'éparpiller parce que s'ils attaquent en groupe. Il y a des chances qu'ils viennent en groupe. Le temps que vous reveniez, on est déjà un de moins. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop loin. Vous spottez, vous revenez. Hein. Prenez pas de risque. On peut se déplacer en escadron, là, tu vois, c'est bien. On peut prendre la part, vraiment, pour... Là, on est quand même un de moins. Ça a une importance. Hein. On peut défendre convenablement vu qu'on est un peu en hauteur et qu'on peut se planquer. Mais ils viennent tous ensemble, on les stoppera pas. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai réglé mon problème de ping. Tiens, il reste en def. Ouais, mais attends, c'est bon parce que je vais peut-être pouvoir en placer une. Bien joué. Moi, je tente même pas. Hein. J'en ai mis une, si tu peux nous redonner la lumière. Ah, par contre, je pense qu'ils ont bien spot. Je vais Là, essayer. je peux encore en coller une. Hein. Je tourne. J'ai rechargé mon chargeur. Ouais, bah prépare-toi. Au cas où. Je suis pas sûr qu'ils soient restés. Ils sont là, bien. Ah, je les vois plus. Ouais, même avec les binos, je les vois pas. Et on les voit plus. C'est dingue, hein? Ouais, ils ont dû reculer. Ils ont reculé juste en ligne de vue. Et... Ouais. Bon, moi, on sait qu'il y en a deux là-bas. Le I et le À mon avis, T-150. t'as le SU qui est là. Il doit être là avec le Skoda. Mais tu dois avoir les lourds qui sont peut-être mis ici. Hein. Je sais pas, je pense qu'ils sont en def chez eux, comme nous. Vu que t'avais le T50, le CT150, hein, il me semble, et l'OI, hein, c'est ça? Ouais. Le T150, l'OI qui sont en J8, 9, je suis pas sûr qu'ils aient push. Hein. Non, push ou pas. Non, Si push, c'est des points faciles. Pas une pour mettre un peu. À la limite, Inus, tu peux aller voir sur en passant par E4, E5, tu peux remonter là-bas pour aller voir sur la petite colline qu'il y a devant. À la limite, ouais, après. Et pas tout de suite, spot là déjà, et puis après, retourne là-bas, quoi. Je peux y aller. Ouais, bah vas-y, alors, qu'on sache. Et après, faut qu'on se décide, savoir lesquels on va cibler. Bouge pas. Même avec les Non. binos, j'arrive pas à les voir. Hein. Moi je pense qu'ils attaquent pas en fait. Il faut, on va essayer d'approcher un peu les gars, on va essayer de les loger. Soyez prudents, on essaye d'abord de les loger avant de décider ce qu'on fait. Hein. On sait déjà où sont le 150 et l'OI, mais hein, il faut savoir où sont les deux KV85, le M6 et le Skoda et le SU. Faites gaffe que le SU il soit pas en DU9, par exemple.
Gros canon aussi. De là où je suis, je peux peut-être leur mettre quelques tirs. Est-ce que vous pouvez essayer de les spotter? Ouais, attends, je vais faire ça. Avance avec ton 12T, c'est l'inverse normalement, c'est à toi de nous donner la vision. Hein. Avance avec ton 12T, avance. Suis Matt, reste avec Matt. Ah, c'est ouf, hein. Regarde Loï. Là, il y a Loï. Si tu peux encore avancer, Kéléric, voilà, ouais. Qu'on sache, nous, si on peut avancer, parce que je suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose droit devant, là. On l'aurait vu. À mon avis. Non. Du côté de Kéléric, s'ils sont là-bas, on les verra pas. Ok, bien. Ouais. Oh, je gère. C'est vrai qu'à mon avis, il y aura quelqu'un peut-être. Voilà, là on a un KV85. Il y a un KV85, mais on a toujours pas le suçant. Il y a les deux KV85. Il me semble, non? Non. Non, il y en a qu'un. Il manque un KV85, le M6 et le SU100. Putain, le Skoda est là. Ok. J'ai spoté le T150. T150, il bouge. L'autre qui avait 85 spoté, il est derrière le premier en fait. J'ai pas trop compris où il était le suçant. Il a mis 2 doses. Bah le suçant doit être au cap. Là par contre on est 5 contre 7. Faut vraiment qu'on gère là. Ouais, faut tous attaquer ensemble. Bon bah après on est tous à 100%. Hein. C'est qui est mort là? Moi, Matt. Oh merde, c'est moche. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plombé? SU100. Ok, t'as avancé trop là-haut? Ah, pas beaucoup, hein. Y'a juste ma tourelle qui dépassait. What? Non, si y'a pas que la tourelle qui a dû dépasser. J'ai juste fait dépasser le truc du canon, là. Que je puisse tirer, j'en ai mis une OI et deux OT150. Descends de là où est Kelgrick, je te rejoins, espoir. Pars pas trop tout seul. Ouais, mais j'essaie de les spotter là. C'est bien Cédric, mais maintenant je les spot, reste à couvert pendant quelques secondes, histoire qu'ils te voient plus. Ouais, il y a un KV85 dans les parages, je sais pas où il est, c'est tout. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Les deux sont, ils sont là. Les deux, ils étaient. Ouais. Il y a le Skoda à côté aussi. Moi je l'ai enfin je l'ai spot en permanence. Ouais, pour je vois. Leur mouvement. Fais gaffe Monaco. Et il nous manque un des 85 là. Il y en a qu'un, il n'y a pas les deux. Il y a deux là-bas. L'air de KV il sort, il se connant. Ouais. Oh, si tu peux les faire en... Monaco, si tu peux me couvrir là, c'est maintenant tout de suite, jamais. Vite. C'est qui a derrière moi là avec son Cromwell? Monaco. Et il fait quoi là? Et je fais quoi? Je tire. Mais t'es pas avec moi là? Non, attends, ils sont, il y avait le M6 derrière, ils sont tous en train de me shooter. Je m'entends. Et j'arrive. Passe par l'autre côté, Monaco. Monaco, à droite. Voilà, là, comme ça ils sont pris entre deux feux, ils savent pas quoi faire. Prends le KV85, bien joué. Encore une au KV. Boum, fini. Putain, il m'a pété le canon. KV avec Esco. J'ai le canon pété, bordel. Ouais, encore, mon soutien qui est jamais là, quoi. Merci. Sérieux, quoi. Faut être là, quoi. Avance, va faire le tour du M6. Chance. 150. Vas-y, commence à tirer. Ouais, moi je peux pas, j'ai pas de soutien. Hein. Putain, prendre des free dommages qu'on devrait pas prendre si le soutien il était là quoi. Et il est jamais là. Allez! C'est bon, allez, on a repris le dessus là.
Ah, Yam avec 31 PV, c'est cool. T'as réparé ton canon? Oui, bah oui. Fais gaffe, sors pas. Les deux sont sur moi. Hein. C'est à vous. Venir, le puissant, il m'attaque là. Oui, je suis en train de venir là. Bon, GG. Tranquille, un peu, je pense qu'il y a le ult juste derrière. On va sur les deux lourds là. Lori n'a pas le troll gun. Le problème, c'est qu'on sait pas où ils sont là. Et le T150, il vous one shot tous. Pas forcément. Il me regarde. Peut-être lui. Oui, de fait, il peut nous one shot là, vu ce qu'il nous reste de PV, mais il faut qu'il y perce déjà et puis qu'il vise bien. Non, oh non! Il apparaît derrière! Il a apparu à 10 mètres derrière, quoi! Tu l'as même pas vu faire le tour, c'est n'importe quoi! GG les gars, tous sur le T150. Il est où T150? Attends, Inu, il te saute dessus, j'arrive! Tiens bon! C'est bon! Oh mais merde! Tu quoi, Inu? T'es coincé? Oh putain! Ah ouais. Oh le tricheur. Le mec il arrive derrière, on l'a même pas vu. C'est pas un tricheur, il a juste fait le tour. Non mais c'est. Bah c'est normal, c'est depuis qu'ils ont changé le mode de détection, tu vois moins les mecs. Il va se douter que t'as fait le tour et qu'on revient à l'endroit où t'étais. Non, il s'est juste bien écarté, il était plus spotter, on l'a pas vu passer, on n'a pas fait gaffe, on était occupé à faire autre chose. Bah, il doit pas être trop mauvais parce que je crois qu'il a deux marques, un truc comme ça. Ah, il y a 44 000 games en tout cas. Bon, les gars, c'était ma dernière. A plus à vendredi. A plus. Bah, de fait, c'était la dernière pour nous aussi en peloton. Alors, on était à bon chaleur. Excusez-moi. Si vous restez. Le bordel. Je compte en trop, je peux servir de remplaçant aussi. Il est en haut. Un compte en trop, avec le compte de cartel. Oh bien joué. Ouais mais j'ai pensé à m'anglais tu vois, lui pas. C'est ce qui fait la diff à l'arrivée quoi. Le petit anglage des familles.